Pourquoi vous nous espionnez? Oh, et que savez-vous à propos d'Eileen Lay? Qui ça? Est-ce que c'est votre équipe qui l'a tuée? Probable, oui. Règle de base, si vous croyez qu'on a tué quelqu'un, c'est sûrement vrai. En parlant de règles, vous devriez savoir qu'en m'attaquant, vous devenez les cibles de tous les hommes de lettres britanniques. Pas d'enquête, pas de procès, seulement une simple sanction et vous êtes tué. Peut-être même par les mains de Mary Winchester. C'est censé vouloir dire quoi? Votre mère est notre invitée à plein temps. Elle est votre prisonnière? Pourquoi? Notre prisonnière? Qui a dit qu'elle était notre prisonnière? Non, Mary a rejoint l'équipe. Elle a même son propre anneau secret de décodage. Vous mentez. Tu as raison, ça n'existe pas. Ah, les garçons et leur maman. Vous la voyez comme une maman, nous on la voit comme une de nos meilleures tueuses. C'est pas parce qu'elle travaille pour Ketch qu'elle l'aime bien, ou qu'elle vous aime bien. Le complexe d'Oedipe encore et encore. Non, vous croyez sérieusement qu'elle ne fait que travailler avec Ketch? Toutes ses journées, ses nuits ensemble... Ça suffit. Il dit que c'est la meilleure baisse qu'il a eue de sa vie. Répétez ça pour voir. Bien sûr. Il dit que c'est la meilleure baisse qu'il a eue de sa vie. Continuez, vous allez voir. Où est passé Mick? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Mick? Oui, Mick. Oh, Mick est mort. Il est mort? Eh bien mort. Nous avons estimé qu'il était trop émotif pour occuper ce poste. Il ressemblait trop à vous deux. Et à tous les chasseurs américains. Raison pour laquelle tous les chasseurs de ce pays iront bientôt le rejoindre. Jody Mills, Claire Novak, tous vos amis buveurs de whisky et enveloppés dans de la flanelle vont y rester.